Hola les amis, c'est Kroub. Aujourd'hui, on se retrouve avec Bebe. J'ai pas mes gants aujourd'hui. Suite à la chute d'il y a pile poil une semaine, c'était pour vous dire que ça allait. Hein, j'ai juste des anneaux pour remettre ma clavicule en place. Je vous avoue que c'est assez douloureux. Donc protégez-vous bien, les amis, c'est important la protection. Je l'ai pas fait, j'ai joué et du coup j'ai perdu. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec la moto de Bebe, son YCF SP1 150, pour le changement de carbu. Je vous invite les amis à aller voir du coup la vidéo de ma chute, ainsi que les autres vidéos qu'on a fait sur les dirt qui sont assez sympas sur des roulages. Donc allez sur ma chaîne les amis, abonnez-vous aussi pour me suivre et voir les prochaines vidéos qui vont sortir. Je vais essayer d'en sortir au moins une par semaine. N'hésitez pas les amis à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive pour faire d'autres vidéos. Voilà, je reprends du coup aujourd'hui, on fait la SP1 à Bebe, on va changer le carbu qui est d'origine un carbu de 22. Et quand on a fait la dernière vidéo, il était en 24 et là on va le passer en 28 mm. C'est ça mon petit Bebe? C'est ça, au Venturi, ouais. La dimension est prise au Venturi, ouais. Les amis, on retrouve Beu pour le montage du PE28, à la différence de ce que tu avais déjà, le PVM24, que je me trompe pas, de chez Mikuni. Alors là, c'est chez Kain, le PE28 qui a un plus gros diamètre du coup au niveau du Venturi, qui permettrait de mieux respirer, surtout à bas régime. On va vous montrer comment monter ça, c'est pas compliqué du tout. Non, il faut déjà du coup enlever le carbu, donc c'est-à-dire... Je vais même pas enlever le filtre à air, j'ai déjà commencé par enlever le collier ici, ce qui permet de l'enlever comme ça. Là c'est le câble d'accélérateur. Lorsqu'on accélère, du coup ça fait monter le boisseau que vous allez voir juste en dessous. Donc là on va retrouver le ressort. Voilà le ressort et le fameux boisseau. Donc le câble d'accélérateur c'est cette gaine là qu'on ressort. Voilà, là c'est. Donc il y a ces pièces là en fait, donc du coup quand je passe le câble, en mettant ça, ça permet de coincer le câble dans son logement et puis une fois ça mis, on met le ressort, hop tac, voilà. Donc là je le penche un peu pour vider un peu l'excédent dans la cuve, ce que je peux, comme ça ça m'évite d'en foutre partout quand je vais débrancher l'arrivée d'essence, quand bien même l'arrivée est fermée. Ici c'est l'arrivée d'essence, donc le réservoir est au-dessus, là j'ai mis arrêter sur zéro, mais pour autant il va toujours en rester un petit peu. Ouais, forcément, ouais, il en reste dans les la durite, dans cette fameuse durite. Voilà, donc ça, voilà, le carbu est enlevé. Celui-ci. Donc, étape inverse. Du coup, là, il est fait autrement. Donc, déjà, on peut voir que, donc ici, c'est la même taille. Mais par contre, c'est bien ici où la taille après est différente, juste pour voir la diff entre du 24 et du 28 mm. On pourrait même rechercher le 22 mm d'origine pour vous dire la diff. Mais en gros, là, je sais pas si elle se voit, ouais, mais si, en tout cas, mes droits, ouais, voilà. Ouais, ça, là, ça déjà, rentre dedans du coup, ouais. On voit bien que ouais, ça va enrichir plus d'air en fait. Et du coup, en fait, quand on tire sur le câble d'accélérateur, ça permet d'ouvrir le boisseau. Ouais, l'ouverture est ce qui fait l'accélération. Qui fait rentrer, ouais, en fait, l'air ici. La cuve qui fait remonter l'essence là avec l'aiguille, qui permet de boucher ou pas l'aiguille. Et ça fait le mélange air-essence qui après va dans la pipe d'admission dans le moteur. Ouais. Avec la bougie derrière, explosion, boum. Voilà comment se présente le boisseau au-dessus, où on a une petite
lamelle comme ça qui permet de maintenir l'aiguille. L'aiguille qui est là, ça permet qu'elle ne ressorte pas. Ici, une petite cale en plastique pour que le ressort reste bien à sa place. Mmh. Voilà. Et là maintenant, le câble d'accélérateur. Le câble d'accélérateur que je rentre au milieu du ressort. Et où là, il va falloir que je le fasse passer dans le boisseau. Par le côté. Voilà. Et là, il est pratique celui-ci parce que c'est pas comme le VM24 où il faut passer dedans. Là, c'est directement. Ouais. Un genre de guide. De guide rapide, ouais. Donc, du coup, tout à l'heure, je disais qu'il fallait que ce trou-là soit en face de la vis de ralenti. Si je me trompe pas, c'est comme ça qu'il va aller au fond. C'est ça. Voilà. Du coup, il va se présenter comme ça. Donc, par contre, moi, ce qui m'embête sur ce PE28, c'est qu'en fait, le starter va se trouver du bon côté quand je veux l'allumer. Mais par contre, quand je vais faire les réglages ralenti et vis de richesse, ça va être de l'autre côté. Ouais, c'est ça qui change. C'est d'accord. Ça qui change. Tout est pas du même côté. Ouais, et ça, c'est embêtant pour le coup parce que lui, il avait tout là. Ouais. Le starter, la vis de ralenti et la et vis même, de richesse. Le starter, il se lève là. Ouais. Ah oui, mais c'est vrai que je me souviens sur la mienne, c'était aussi, il fallait lever. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Et c'est pas un bouton comme ça, c'est une petite targette. Ah, une petite targette en métal. Ouais, ouais. Ouais, les amis, si vous voyez bien, ouais, c'est une petite targette en métal sur les SP1. On peut le sortir de hein, nos si années. Vite fait, je peux le sortir juste là. Voilà ce qui était vendu. Donc du coup, le bébé nous a ressorti carburateur. Le carburateur d'origine Mikuni. Et comme vous pouvez le voir par rapport à ce que j'avais échangé avant, donc là on est côté admission, c'est forcément pareil. Et côté Venturi, enfin prise d'air, je veux dire, ouais. Là où on est un petit peu plus gros. Donc ça c'est du 22, pourtant vendu comme du 26, et ça du 24. Ouais, ce qui est monté sur l'origine, sur les SP1, ouais. Voilà, et du coup la fameuse, voilà, petite targette de starter, elle était comme ça, voilà. Avant, alors que là... Là, c'est noir sur le côté, et le nouveau, c'est noir sur le dessus. Voilà. Là, vous avez trois modèles. Une évolution, ouais, c'est ça. C'est beau, ça. C'est beau. Maintenant, on va mettre le nouveau... Alors, le filtre à air, il faut toujours lui mettre de l'huile. Ah oui, la mousse, il faut toujours qu'elle soit imbibée d'huile. Du produit, ouais. Ouais, pour repousser les saletés, que ça rentre pas dans le filtre à air, en gros. Oui, qu'il soit plus... Étanche, en gros, étanche, la saleté. Ouais, tout à fait. Et voilà. Lui, il est serré. Maintenant, on rebranche la durite d'arrivée d'essence. J'ai la pince hein, qui va bien. Je ne vais pas la soigner. J'en profite aussi pour vous dire, si vous avez des questions par rapport à ces carbus et tout, n'hésitez pas à lâcher des coms. On se fera un plaisir de vous répondre avec Bebe. Voilà, on n'est pas, professionnel, hein, franchement, je répète bien, on est amateur. Voilà, c'est vraiment que pour le plaisir, mais bon, on peut... Du haut de notre expérience, on a quand même quelques notions quand même. Hein. Ouais, donc du coup, n'hésitez pas... à lâcher du com et à nous dire, même si on fait des erreurs, hein, c'est ce qu'on disait hors caméra, voilà, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et j'ai envie de dire, c'est celui-là qui ne fait rien, qui n'apprend rien, donc c'est une vidéo pour aider, et parce que ça nous fait plaisir de vous faire cette petite vidéo aussi, les amis, donc n'hésitez pas à nous communiquer votre ressenti par rapport à ça. Donc voilà. Donc là c'est monté, là tu penses que tout est serré et tout. Tout est bien serré, je vais voir si je peux pas. Et je trouve assez sympa du coup avec les petits côtés anodisés rouges. Ouais. Puis bah du coup ce petit filtre à air tout neuf là. Il va bien respirer là. Et par contre j'ai mis de l'huile partout les gars. Alors si vous faites ça, faites pas comme moi, mettez bien un carton, faites-le en dehors pour huiler votre filtre à air parce qu'après ça en fout partout sur le moteur et ça, quand ça va chauffer, un peu ça va fumer un petit peu. Hein. Voilà, on risque d'avoir un petit peu de fumée tout à l'heure, mais bon, ça va pas être un coup de ouf. Oui, parce que restez bien les amis, hein, on va vous faire un test son et on va aussi vous faire un petit test routier, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche sur la page pour suivre toutes les futures vidéos qui arrivent.
Je vous invite à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Instagram, croupe-du-bas37. Donc voilà, donc le carbu est monté, les amis. Et je filme avec un stab, c'est ça la différence. Bebe, du coup, il a des... filtre à air bien usé, filtre à air neuf, si vous voulez voir la différence. Ouais, hein. Ouais. La colorie. Du coup, je crois que Bebe, on peut faire un petit démarrage là. Bebe, c'est pas comme chez moi, il y a les voisins assez proches. Ça, donc, on va vous l'allumer pour que vous puissiez entendre aussi la sonorité. Tu veux faire bon. Direct là? Bon, ouais, on verra. Il va falloir que je pompe pas mal. Ouais, comme je disais, faut pomper pour ramener du coup l'essence. Tourner peut-être un petit peu aussi au niveau de l'accès. Est-ce que tu penses que ça t'amène de la compression? Je pense à ça là, oui, d'un coup. Oui. Est-ce que tu penses que ça t'amène un peu plus de compression? Il me semble, oui. Pareil, tiens, c'est une autre chose, les gars. Est-ce que vous pensez que si on monte de carbu, du coup, ça augmente la compression du moteur? Moi, j'aurais envie de dire oui. Oui. A few moments later. J'ai bon espoir, là. Ouh, vous avez vu la petite fumée, les gars? Ça, c'est pas bon signe, généralement, quand ça sort de la fumée par le filtre à air, ça veut dire quoi, déjà? Je ne sais plus. Ah, déjà, si, je sens qu'elle est... ça change. Ouais, tu sens que ça change? Ouais. Tu vois, en mettant le starter, elle veut pas tenir encore comme le VM. C'est comme ça. Du coup. Non, toi, tu l'as mis, mais non, elle veut plus. Ouais. Ça l'a aidé peut-être un petit peu tout à l'heure. Bah, parce que j'ai accéléré aussi. Hein. Là, je vais accélérer, mais normalement, tu mets pas starter et accélérer. Ouais. Non. Je pense qu'elle est assez chaude comme ça. Mais le ralenti, pas bon. Là, on sent qu'il faut le régler. Ici, c'est un peu plus rauque. Hein. Le bruit est un peu plus rauque pour moi. Voilà, on va voir du coup. Sans réglage, là, on l'a mis. C'est vrai qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ouais, donc là, il faut augmenter le ralenti. Ouais, déjà qu'elle chauffe. Ah oui, il faut faire le ralenti, il faut qu'elle soit chaude. Voilà les amis, on nous retrouve Bebe sur le terrain. Du coup, on est en train d'essayer de la régler. Donc, il a fait chauffer. Je vais aller vous montrer du coup le lieu de la chute dans ma première vidéo. Je vous invite d'ailleurs à aller voir cette vidéo où on vous explique en trois étapes comment faire un wheeling. Et après, on fait un petit roulage en fait sur ce terrain. Pour ceux qui ont vu la vidéo, ils vont reconnaître les lieux. Donc là où j'ai eu ma grosse chute. Alors du coup, après coup, en regardant au ralenti la chute, déjà, je suis arrivé en fait un petit peu levé de l'avant. Mais vous voyez pas du coup, je pense que vous voyez pas sur la vidéo, mais en fait, il y a un léger décalage. Et en fait, ça paraît pas, mais là, entre le haut et le bas, il y a bien 3-4 mètres. Oh, 3 mètres peut-être, 4 mètres, je suis peut-être un peu pas marseillais. Et en fait, je suis arrivé, du coup, la roue déjà levée en haut. Déjà levée en haut, et en fait, ce qui a fait que quand j'étais déjà en train d'atterrir l'avant. En fait, l'avant était déjà dans la descente, alors que je devrais être en arrière. Et du coup, bah, ça fait effet ressort et l'arrière m'a éjecté. Et en fait, j'ai glissé jusque là, quoi. C'est comme ça. Bon, après réglage, les amis, je pense qu'on va être pas trop mal là. Donc, Beu, il va essayer ce premier réglage. Ah, elle va couper, ouais. Ah, il manque pas grand chose. Hein. Alors, du coup, là, ça serait quoi? Ça serait le gain, du coup? Je pense que c'est pas le ralenti, là, c'est le gain. Ça manque de richesse. Ouais. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Parce que là, le ralenti était bien. Donc, je pense que c'est que ça manque, mais vraiment un tout petit peu de richesse. Donc, on est d'accord que. Donc, je refais un ferme alors. Voilà, comme ça. Ouais, c'est ça. Attends, je voudrais bien compter le nombre de tours, du coup. Je suis à combien le nombre de tours, là?
1,5, ce qui est crédible, ce qui est carrément crédible, ce qui est carrément crédible. Parce que quand t'es à plus de 2 tours, ça veut dire qu'il faut changer ton gicleur de ralenti. Alors sachant que là t'as un gicleur de combien dessus, tu m'as dit? Alors là j'ai un gicleur principal de 115 et un de ralenti de 38. Ok. Et sinon je peux passer en 130 en principal et en 42 en ralenti. Mais qu'est-ce qui est... Ça permettrait de mieux respirer, mais je vois qu'il n'y a pas forcément... Ouais, non, non, là, c'est... On n'en est pas loin, je pense. C'est moins bien. Pour moi, c'est moins bien. Bon, on est parti pour l'essai routier après plusieurs réglages. Du coup, on hésite à passer là. Il m'a dit qu'on était en 38 sur la vis de. Sur le ralenti. Je dis que l'heure de ralenti et qu'il fallait peut-être qu'on passe en 42. Ok, donc on va voir. Là, on l'a pas essayé en roulant, donc on a fait que statique. Dites-nous ce que vous en pensez, les connaisseurs. Ouais, ceux qui connaissent un peu les réglages des carbus. Kias, Kias, réveille-toi, s'il te plaît. Ouais, clin d'œil, Kias. On y va. Même l'embrayage. C'est mieux? Par rapport à l'autre jour, l'embrayage. Regarde, tu vas aller plus loin. Ouais, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je pense que... Ouais, parce que je sais plus si on l'avait signalé dans l'autre vidéo, mais l'embrayage, il était vraiment corsé et compliqué. Tu veux pas faire un petit tour là dans le chemin déjà? Ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça a l'air d'être pas mal. Elle a pas l'air de pétarader et tout, hein. Enlève la partie là, ça y est. Ah si, ça pète un peu. Bon, on pense qu'elle est pas mal comme ça. Du coup, on va faire quelques petites images. Ça a l'air d'être pas mal au niveau... Au niveau accélération, ça a l'air d'avoir donné un gain pas mal. Petite séance wheeling avec Bebe, voir s'il a retenu ce qu'on a fait l'autre jour en 3 étapes. Elle a l'air de mieux arriver quand même avec ce... Avec ce... Merde, je vais pas arriver à le dire. Ce carbu là, je veux dire. Avec la dernière fois, elle est beaucoup plus dans un régime. Ouais, bah essaye de faire la technique là des trois du coup. Essaye de faire la technique avec le pied et tout le tintouin. Ouais, vu que t'es protégé en plus des pieds. Écoute aussi. Et ouais. Ah mais il a failli se prendre le terre-plein là-bas. Et voilà. Là, la chute.
La chute, on l'a, la chute. Il l'a pas lâché. Yeah. Ah oui, quand même. Ah, on a refait l'arrière. Ah oui, quand même. Bah, c'était sûr, à un moment donné. Ça, c'est le final. C'est le petit bonus. Non, c'est rien du tout, en fait, je pense. Si, t'as tordu l'arrière, quand même. Ah, si, c'est tordu, quand même. Bon, on va redresser ça au marteau. Ah, oh, la vache. Quand même, la selle, elle a pris cher. Oh, putain. Voilà, faire le malin devant la caméra, comme moi l'autre jour. Bon, ça va, tu t'es pas fait mal. Non, pas du tout. Pas du tout. Je l'ai senti, j'ai bien senti que je perdais l'équilibre. Je voulais continuer et puis bah coup d'accès en trop. Ah putain. Ah bah c'est ça qui est tordu. Ah putain. La boucle arrière. Ouais. C'est pas grave. Hein. Ouais, ça se. Ok. Bah ça donne du style, non? Ouais, ouais, un peu stylé. Bon les amis, voilà, on vous aura montré du coup comment changer un carbu ainsi qu'un petit peu de roulage avec le nouveau carbu. Bon bah Benoît il me disait que du coup ça changeait vraiment pas mal l'accélération et il croit même du coup ouais le couple et même peut-être en vitesse de pointe peut-être, donc ça à vérifier. N'hésitez pas à suivre, à regarder les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Un grand merci à tous de me suivre et de me faire confiance. Je vous invite aussi à me suivre sur mes réseaux sociaux, Kroub-37. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. Je vous dis à très vite et bonne fin de journée.